Et bien, notre bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure connectée sur nous. On donne son ça avec notre channel information. On donne. 22, la police a invité leur marché sous tabac, sous quoi des bouquets. Et ça a offert, ils ont pris disposition, ils ont blindé avec plusieurs conteneurs pour les pas capables et pour plus d'espace, pour plus de terrain, pour plus de territoire. Et ils ont retiré tout dispositif ça, c'est la police qui a fait pour contre. Et ça a sorti dans le commandement. C'est ça que nous disons, oui, et avec la police de la police. Et pas inventé, m'a pas inventé, non, c'est réalité. Non, c'est compris, m'a compris. C'est compris, je comprends. En même, m'a pas ajouté, oui, Robinson. Et gagné dans la zone métropolitaine, comprend. Au niveau commissariat Pétionville, au niveau responsable. Et comprend le commissariat Delma 33. Et nous connaissons Grosset, commune Delma, son grand commune, et ni Pétionville. Et, sous prend route, frère, et zone Vivi Michel, sous commissariat et doute. Sous commissariat, gagnent et en pile policier qui sous payroll et gang vite l'homme non et que la police n'a plus au niveau, yo connaît, yo pas fait rien, yo pas ouvri aucune enquête. Oh, dis-moi là. Oui. Et yo sous payroll et vite l'homme et ça gagne plusieurs mois et n'a tenté et dit ça dans magique et puis il pas de dire clair pour plusieurs raisons pour pas et créer plus peur la caïmonio mais réalité a nous elle donc on y a nous obligé dire et j'en nous obligé dire j'en les supérieur là pour faire qui ça pour faire couverture pour eux. Par exemple les ont besoin à opérer ils vont kidnapper monde ils vont l'attaquer et puis et pour et la police pour police au passage et ça va pas réagir et ça m'a de la haute marche la police à connaît et alors et non mais n'a qu'à ça monsieur Spérance. C'est certain c'est pas tout mais maintenant Zach ça met en danger non je sais pas du tout maintenant ça mettait en danger intégrité des policiers corps qui observent la population, hein? Les mettent en péril en série d'opérations et pour faire bandir et dans le et ou dit information ça connu et pas des mesures qui prend c'est ça dit là non pas aucune possibilité et dans pays particulièrement dans zone métropolitaine pour gang yo a fait tout ça fait là yo. Et sans parler complicité et autorité dans l'État et particulièrement et la police là ou état-major et la police là c'est ça que nous dit et tout le monde est capable de constater et tout haïtien était ouéli de l'année passée toute période depuis la police a venu plus équipement et gilets pare-balles et plus matériel et véhicules etc. Et t'es bon présence et la police t'es bon présence policière dans la réalité qu'on t'es ouais t'es visible hein et mais on retire tout et pendant octobre, mais qui n'est pas dans le monde. Machine, il va voler, non? Et 60 véhicules, ça, et là, à côté. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Actualité, enquête, analyse, oui, et augmenter, côté gang, occuper plus espace. Continue à faire et puis ou pas avoir présence et policière et dans la ria pas de présence la police bon mais avant nous avancer parce que nous allons parler du Canada et à 100 millions de dollars avant nous remercier ou mais sur la tête nous là dans ce maintenant
par rapport à ce où je dis là que gang a fait ça avec un support gouvernement et monsieur André Michel et de SDP et maintenant André Michel qui répond à la question non il dit que pas gang quel monde crédible qui a dit que gouvernement a financé gang il était insisté ça à plusieurs reprises donc il évoqué ou même de NDDH il était répond non pas gang quel monde crédible qui a dit que gouvernement une association crédible qui a dit que gouvernement non financé et gang. Donc, et on avait évoqué le NDDH et soit fait ça. Et sur ce débat de M. Michel. Ou un commentaire? Eh bien, en 2017-2021, information NDDH Tabayou sous massacre fait dans le quartier défavorisé, sous instrumentalisation institution, sous banalisation de la vie monde. Et monde qui est t'es dans l'opposition à l'époque, tant que j'en sorti de là, André Michel. Et c'est, il était qu'on utilise en pile rapport RNDDH. Depuis mon rapport RNDDH est sorti, c'est lui-même qui prend, là, il participait dans plusieurs émissions. Et laisse habiter d'ailleurs. Et donc, information RNDDH était crédible, ça nous a dit. Et je dis à l'Ian dedans, il n'est pas crédible. Et m'a pris prendre encore. Pouvoir continuer dans connivence avec bandit, l'argent dans le trésor public là continuer à joindre bandit et la police là dans connivence avec bandit et population livrée à eux-mêmes, insécurité que nous avons là sont insécurité d'État qui banalise, qui basé sur et qui chita sur banalisation et la vie monde et si pas de complicité nous pas demander pour la police à mener une opération à démanteler gang non parce que nous connaît extrêmement difficile gang youpi équipé passer la police à, et c'est ça et pouvoir revenir la faire pendant de 2018 et pour arriver 2021 c'est affaiblir la police à renforcer gang et c'est ça qui continue sous administration et docteur Ariel Henry et yo continue à alimenter gang yo qui fait gang yo puissant comme ça, qui fait, et mon ap mouille comme ça, et qui fait tout, police à pas présent. Donc, nous-mêmes, nous parlons des réalités, ailleurs, là, information, nous t'es capable crédible, parce que y'a été dehors, et les Rwanda, y'a pas crédible. Mais NDDH là, Pierre Espérance, ou bien son avant voté pour un pose là. Monsieur Espérance, t'as parlé de différents rapports, que dans l'époque là, qui étaient qu'on sortit et que, opposition était qu'on utilisait. Et, ou du coup, question pour lui sous, et enveloppé 100 millions de dollars que Canada, lui, annoncé que le bras alloué avec la police nationale là. Ou même qu'on question sous, et demande que le premier ministre t'ait fait pour te demander la MEA pour aider, et la police là pour rétablir sécurité. Et nous besoin qu'on côté et demande ça passer mais d'abord bon qui toi avec les sous coopération Canada. Oui, justement monsieur Spence, tu as parlé de réalité à qui internet a confirmé et sont tapé. Non. Réalité à c'est pas tant de ça confirmer non, réalité à c'est ça non ouais. La police a pas présent et population livrée à eux-mêmes, gang yo puissant parce que autorité étatique yo et la police là et na connivence avec bandi. Tout pouvoir, et c'est ça, non, ouais, dans RNDDH, et qui, dans violation de la, droit monde, qui, dans banalisation de la vie monde, qui, dans capnage, dans impunité, et, ben, y a toujours, pas aimé RNDDH. Nous, pas de problème avec ça, et nous-mêmes, nous continuer à accompagner la population haïtienne. La plus gros revendication de la population haïtienne, 1986, après, niveau et dictateur à aller, c'est et justice sociale. Et peuple haïtien beaucoup pas jamais une justice sociale ça, c'est impunité, c'est coup de bas et la prend dans dos et je ailleurs là monde qui te dit au bon côté population et jodi a il a fait même bagaille avec ça ou t'a reproché monde et qui était sous pouvoir rien et puis mal. Et sous question et coopération pour nous continuer. Alors pour Américains ont continué avec les formation, yo bay équipement léger et tant que gilet pas balle et yo mais gen deux unités dans la police là et yo pas bay ni équipement, yo pas bay équipement, pas faire formation pour yo c'est Idmo avec Boy qui ont estimé que unité ça impliqué
trop dans violation droit monde et américain yo pas et pas aider dans sens ça mais américain yo tout genre nous connaît yo et équipement létal tant que équipement létal tant que et armes avec munitions et yo pas bail mais yo fait formation et pour et pour et soit avec Simo et mais nous penser journée jeudi toute coopération et qui pour fait et pour la police là si pas gain et vetting là dans ni c'est lavé mais si y a terre ça pas veut dire ça fait ou pas bon non ça pas veut dire que police a pas besoin non et mais police là côté yo te prendre nous songe Jean police a été démobilisé en 2001-2004 et ben là UN Paul et qui en dans mission Nations Unies qui était là et à l'époque et ensemble avec autorité et qui était là administration et René Préval là côté que yo te mettait campé un programme vetting et qui était commencé en 2007 et programme ça et campé en 2012 il était bail en pile et résultat pour Jean institution police là et si yo pas et mettez campé un programme et vetting tout et l'autre bagaille yo et c'est pour et des bagailles cosmétiques parce que police faut font vetting mais là je dis à faut nous ten vetting ou bien faut en parallèle à vetting là gagner plus blindé plus armes plus munitions plus formation plus machine plus policiers formés pour renforcer présence et pour les capacités opérationnelles pour Goma avec les bandes armées. Oui, très bien. En parallèle avec Vetting, parce que Vetting, c'est pas pour nous comme sur l'ancelle là et puis pour vous pourtant Vetting. En parallèle avec Vetting, et il a fait tout le bagage qu'il a besoin. Parce que les poulains, c'est Vetting, et policiers y a conformé parce qu'ils connaissent qu'il y a enquête et cap mené et sous yo mais vetting ça et ça qui était là déjà et ça qui était fait et il était composé et commission vetting là policiers français policiers canadiens policiers haïtiens américains avec et africains et nous connaît et policiers canadiens yo avec français yo et yo gen réputation comme policiers qui bien formés qui bien et entraînés et il y a un rôle et important qui est capable de jouer et dans vetting là et nous connaît tout assemblé hein et la France et voulait bailler plus bourrade plus moyen avec et la police là et nous même c'est plaidoyer ça que nous fait nous dit et pendant il y a et bail et équipement léger j'ai dit là avec question et formation faut parallèlement ils mettent campé et vetting mais commission vetting dans tout et les toujours gain la toujours gain la dernière et policiers haïtiens qui sorti dans inspection générale de la police avec la police bon Canada a annoncé dans 100 millions de dollars la baille là que a bien composante pour acquisition équipement l'éto et bon source qui dit nous que ANL gagne un lot de 40 machines pour le bail bientôt dit nous au cours du mois d'avril là et gagne on entend qui fait pour que livrer de blindé et léger en tout cas qui ca permettre de faire patrouille dans des zones chaudes c'est ça moi même et moi entendez de on source que moi qui a fait confiance maintenant et qui position est-ce que comme militant doit mon nous faire appel pour que y ait des armes et munitions et qui regarde par rapport à l'annonce que Canada a fait de 200 millions et de dollars à bail après son mec de fait un président Biden et premier ministre Trudeau et là ça n'a pas annoncé tout qu'il était dit non et par rapport à la force multinationale que premier ministre a demandé le mois d'octobre 2022. Ah ok et ça et Haïti yo doit connaître les Américains yo, Canadiens yo et l'autre pays yo dit y a débloqué COB pour aider la police là. L'agent ça a pas venir joindre l'État haïtien, il pas venir joindre institution police là. C'est
institution dans pays ça yo même qui vini à programme yo et c'est à partir programme ça yo mette campé yo fait ça yo gagne qui dans projet qui yo gagne yo aidé et nous même nous pourri et la police a joint et plus équipement et plus véhicules et pendant et yo lancé vetting. Si on fait ça et sans vetting n'a pas commencé, c'est laver mais s'il y a terre. Mais vetting là son mon dit ou du véhicule zam oui. De guerre pour correspondre à bandi ou quoi faut venir tout. Si yo commencé et vetting là. Si on fait sans vetting là, zam ça yo et véhicule ça yo, yo pral faire couverture, j'ai au faire la quartier défavorisé yo les gang yo a essayé prendre plus territoire yo pour faire couverture pour bandi yo bandi qui soutenu par pouvoir qui la police a travaillé avec yo particulièrement Genève et journée jodi yo gen gang vite l'homme là yo pour faire couverture pour yo et les ça c'est population qui pral victime okay. Mais si qu'on y a pendant bay équipement ça yo on pense au besoin yo tout et puis yo tout mettre campé vetting là et les policiers ouais on vetting qui campé et même au état major la police qui là et yo même y a conformé au tout parce que yo même yo en bas vetting là tout et mais faut nous reconnaître tout pendant n'a parlé des équipements et matériel que ces armes ou bien plus véhicules. Et la police a un problème management, la police a pas dirigé, la police a une absence de leadership, et il y a pas ces mains qui doivent faire, et dans sens ça, et dans la police a, mais n'a insisté encore, et partenaire Haïti, et tant que Canada, et ou bien partenaire la police a, et Canada, et États-Unis, et la France, et aider nous dans mettre campé et vetting là et aider nous problème leadership pardonnez-moi et mm-hmm. Vous pensez ou pas monsieur Elbe n'est pas à la hauteur de sa mission. Bon, c'est pas moi penser il pas à la hauteur et c'est réalité à qui nous ouais.